Je respecte les gens, mais par rapport à la politique, je ne sais pas. Mais cependant, je ne prêche pas pour la chapelle des autres. Je respecte le front. Mais quand M. Diobor estime qu'ils sont au même niveau de mobilisation, je pense que c'est trop dire. Il en Monsieur est conscient. Diobor, vous allez quand même réagir à ce coup de griffe. Ben oui, nous n'avons pas besoin de plusieurs jours de campagne pour que les Togolais comprennent que leur situation n'est pas bonne. Tout le monde voit l'état de délabrement dans lequel le pays est. Les infrastructures du Togo sont toutes par terre. Et les Togolais le vivent. Il y a beaucoup de Togolais, quand ils se réveillent le matin, ils ne sont pas sûrs d'avoir un repas avant le coucher du soleil. Ça, c'est une vérité. On n'a pas besoin d'heures de télévision ou de longs meetings pour leur expliquer qu'ils souffrent. Ils le savent et ils sont mobilisés derrière Jean-Pierre Fabre. Et ça, Mais venant de celui qui devrait être le candidat, le directeur de campagne d'un candidat invalidé, c'est surprenant. Mais quand on dit le changement, c'est eux qui doivent apprécier le changement. C'est sous fort Gnassingbé que pour la première fois, les candidats, y compris M. Jean-Pierre Fabre, que je respecte beaucoup, c'est pour la première fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale. M. Yamiane, dont il devrait être le directeur de campagne, 45 ans, il les a passés en France. C'est à cause de la politique d'ouverture et d'apaisement du pays que M. Yamiane a eu goût de rentrer définitivement au Togo. Le changement dont il parle, c'est quoi? Le changement a été fait. Et c'est l'opposition qui est la mieux placée pour savoir les fruits, les retombées du changement que M. Faure a amené dans ce pays. Il le dit sur le plan politique. Nous avons organisé des élections, les libertés sont là. Le changement, la misère, elle est là. La pauvreté, elle est là. Le président a un programme de réduction de la pauvreté. Le président a un programme de restructuration de l'administration. Le président a un programme pour essayer de refaire les infrastructures. Cela est un chantier. Nous sommes à quelques mètres de la grande route côtière. Cet hôtel est situé là. Vous avez vu le chantier qui est ouvert, le grand chantier, et c'est partout. Mais eux, ils le disent. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur les misères, les souffrances des Alors, monsieur populations. Mais Diobor, ce que je voudrais terminer, monsieur. c'est qu'ils nous disent. Oui, les populations souffrent, mais quels sont les termes de leur programme? Ils n'ont aucun programme Alors, politique. monsieur Diobo, j'allais justement vous poser la question. Vous militez pour le changement. Que faut-il changer en priorité au Togo? Ils n'ont pas de programme. Leur D'abord, changement, c'est le changement. C'est leur programme. Ils n'ont pas de programme. Qu'ils nous disent le programme qu'ils ont. oui, j'en viendrai, mais d'abord, j'aimerais préciser que Kofi Annan a effectivement passé 45 années en France. Quelle a été sa contribution au Où... Togo pendant que les Togolais étaient dans la misère? C'est maintenant qu'il voit que les Monsieur Togolais Godunat, souffrent. c'est moi qui pose les questions ici. Monsieur Yamnian, de sa poche, a distribué dans les lycées et collèges du Togo près de 600 000 livres. Des livres inutiles. Oui, mais lire, c'est déjà Les livres quelque rejetés chose. ailleurs. Il Oui. s'est moqué des populations. Ensuite, de sa propre poche, il a fait forer près de 70 forages Dans quel village? dans plusieurs villages Citez-les. du Togo. Citez-les, monsieur. Nous pourrons vous en donner documentation, Excellence, Monsieur le ministre d'État. Ça, c'était pour Kofi Annan. Maintenant, pourquoi il est rentré? Il est rentré à cause de la situation que notre pays a connue après l'élection de Faure Gnassingbé après 2005. Et tous les rapports sont clairs, il y a eu des morts. Et il n'a pas tout simplement supporté cette situation. C'est pour ça qu'il a décidé de rentrer et s'impliquer dans la politique togolaise. Donc en fait, ce n'est pas parce que le président Faure a fait une politique d'ouverture qu'il est rentré, puisque même quand il était ministre en France, il revenait chaque fois. Il sillonnait le Togo et il avait des contacts avec paix à son âme, Feu Gnassingbé Alors aujourd'hui, il n'est plus question de Kofi Gnassingbé puisque sa candidature a été Naturellement, invalidée. Pourquoi je est-ce que vous soutenez Jean-Pierre Fabre? Nous soutenons Jean-Pierre Fabre parce que nous avons décidé de coaliser toutes nos forces, nos stratégies, nos moyens pour appuyer un candidat et c'est le candidat qui nous semble le mieux placé pour apporter le changement. Et votre question était de savoir qu'est-ce que nous mettons dans le changement. Dans le changement, nous voulons donner l'occasion à chaque Togolais d'avoir droit à 3 repas par jour. Nous voulons donner du travail à chaque diplômé, quelle que soit sa famille, quelle que soit son origine.
quel que soit le nom qu'il porte, quelles que soient ses amitiés, quels que soient ses frères. Tout Togolais, nous ne sommes que 6 millions d'âmes et on devrait pouvoir, avec les richesses nationales de notre pays, pouvoir offrir cela à chaque Togolais. Nous voulons que chaque enfant togolais puisse avoir droit d'aller à une école primaire de façon gratuite. Mais lorsque nous parlons de l'école primaire gratuite, nous ne parlons pas de l'écolage gratuit. Nous parlons d'une école primaire respectant les normes requises, justement, pour que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Pas l'enseignement où on entasse une centaine d'enfants dans une classe sous la bannière d'un enseignant, même si enseignant, de toute façon, encadrer autant de gamins. Voilà ce changement, l'une des parties des changements que nous voulons apporter. Est-ce que vous avez le sentiment que les populations adhèrent à ce discours de changement? Les populations nous ont dit qu'elles sont fatiguées de la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des Togolais qui n'osent pas aller à l'hôpital pour se soigner parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer le ticket d'entrée à l'hôpital. Il y a des Togolais, même lorsqu'ils ont payé ce ticket, ils savent que le plateau technique ne répond pas aux normes requises pour les soigner. Voilà, c'est ces changements-là que nous pensons qu'il faut apporter. Et moi, je l'ai toujours dit, je l'ai dit à une radio la dernière fois, je ne me définis pas comme un politique, mais comme un citoyen qui voudrait avoir un certain... Monsieur Boudjounès, est-ce que vous avez le sentiment de répondre aux attentes des citoyens togolais? Non, je voudrais rappeler que si celui qui devrait être directeur de campagne de Monsieur Kofi Yamian, que je respecte, dit que c'est depuis 2005 que Monsieur Yamian a pris conscience qu'il devrait venir au Togo, je comprends bien. Vous l'avez dit qu'il était souvent au Togo. Oui, mais vrai. Je suis heureux que vous preniez sur vous de dire que Yamian appréciait tout ce qui se passait au temps du président Yadema, et que c'est en 2005. Non, je n'ai pas dit ça. Non, puisque vous le dites, s'il n'a pas eu le droit... Maintenant, je ne réponds pas, mais je voudrais dire que en période électorale, les démagogues sont légion. J'entends les souffrances, 3 repas, d'autres diront 4 repas. Vous ne nous dites pas comment vous pouvez donner aux Togolais les 3 repas. Vous ne dites pas comment vous allez refaire les plateaux techniques. Vous ne dites pas comment vous allez financer l'écolage, la gratuité de l'écolage, la gratuité même de l'école. Vous ne dites pas comment vous allez le faire. Et vous vous retrouvez dans un... Ça, peut-être que c'était le programme de votre candidat. Vous avez eu à définir un programme minimum autour duquel vous êtes réunis. Vous ne l'avez pas fait. C'est faux. Vous dévoilez-le. Mais le problème, c'est que vous parlez comme si vous n'êtes pas au Togo. Le programme sanitaire, il est là. Plus de 10 milliards ont été investis très récemment pour refaire les hôpitaux. Vous le savez bien, même si politiquement vous êtes tenu de rester. Je sais que vous êtes quand même un homme. Vous avez dit que vous ne vous définissez pas comme un politique. Vous le savez bien que actuellement, ce qui est en train d'être fait, le plateau technique dont vous parlez, c'est rien du tout par rapport à l'investissement qui est en train d'être fait au CHU et dans les CHU régionaux. Mais on ne peut pas dire que mais nous venons de loin. Nous venons de 17 ans de rupture. C'est grâce, bientôt nous allons vers le point d'achèvement qui permettra à notre pays de renouer entièrement avec les partenaires. Nous sommes en train d'entamer les grands chantiers. L'écolage, on a commencé avec la gratuité de l'école primaire et préscolaire. Nous sommes en train de voir comment dans l'ensemble, dans le programme de réduction de la pauvreté, tous les financements ou tous les projets sectoriels sont définis. Cela va être...